話を使用していますか？作品は一体型ですか？はい。作品のサイズは幅90センチ、奥行き90センチ、高さ90センチ以内に収まっていますか？電球の電力は合計で100ワット以内ですか？なるほど。電源はコンセントを使用していますか？差し込みプラグは1個にまとまっていますか？うん。作品から差し込みプラグまでのコードの長さは1メートル以上ありますか？ああ、ouais, ouais, merci. Tu as compris? Ouais, ouais, j'ai tout compris. Traduction. Je dois faire une lampe en papier n'excédant pas 90 cm cubes. Des matériaux autres que le papier peuvent entrer en jeu. C'est un petit côté asiatique tout ça, dis donc. Les lampes en papier sont plutôt tendance en ce moment. C'est plutôt cool d'en avoir une chez soi. Oui, mais ce ne sont pas vraiment les lampes en papier, mais les lampes en papier design qui sont dans le vent. Tant pis si ça n'éclaire pas forcément très bien. Je dirais que ce sont plutôt des lampes d'ambiance, là où l'esthétique primerait sur la fonction. Quoique le design scandinave arrive très souvent à allier les deux, heureusement. Je n'ai jamais travaillé avec du papier dans mes projets. J'ai donc fait tous mes croquis de recherche, en supposant comment réagirait la lumière, privilégiant petit à petit la forme à la fonction, et finalement je me suis dit, tant qu'à tester le papier, autant se faire plaisir. J'ai fait un proto à l'échelle 1 quart. L'idée est de tester la propagation de la lumière à travers le papier par une série de cages successives placées devant l'ampoule. Des cages successives à bandes alternées verticales, horizontales. Bon, ça va juste être très long à couper. Long et chiant. En fait, le sujet de la lampe en papier est donné tous les ans aux étudiants en design de l'université de Nagoya de façon à ce qu'ils puissent exposer leur création ensuite dans la ville de... C'était quoi déjà son nom? Mina. Ah, thank you. C'est une sorte d'exposition à ciel ouvert qui ne commence qu'à la tombée de la nuit. Évidemment, si on veut voir les lampes allumées, c'est plus pratique. Allez, je vous y emmène tout de suite. J'étais vraiment à fond dans la musique. Bon, je vous présente Minon. Je sais pas si vous m'entendez forcément très bien, il y a beaucoup de personnes et j'attire plus de gens parce que tout simplement je fais ma série C-Design que par ma lampe. Bon, j'imagine, j'espère malgré tout qu'ils la regardent autant que moi. Beaucoup de belles lampes, beaucoup de belles choses et j'ai bien l'impression que la mienne a malgré tout un petit style européen. La superposition successive des couches de papier horizontales puis verticales ne fonctionne pas si mal malgré tout, j'ai bien l'impression. Bon, maintenant je vous explique un peu le fonctionnement. Ma lampe est modulable, c'est-à-dire que nous pouvons changer l'inclinaison de celle-ci de façon à avoir un éclairage différent. Oh,